Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Puisqu'on le sait tous, il y a plein de choses insupportables aux écuries et des choses qu'il faut vraiment arrêter en 2022. Alors je vais les lister dans cette vidéo. C'est parti! Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous lister 40 choses qui sont insupportables aux écuries et qu'il faut vraiment arrêter de faire ou arrêter de vivre parce que c'est trop insupportable, vraiment. C'est des situations qui peuvent être drôles, loufoques ou des situations qu'on a tous connues, qu'on connaît tous chaque année et auxquelles il faut remédier. On va commencer tout de suite avec la première chose qu'il faut arrêter en 2022. En 2022, il faut arrêter de descendre son cheval quand on a les pieds gelés, c'est horrible. En 2022, il faut arrêter de perdre son cure-pied dans les écuries. En 2022, il faut arrêter de ruiner ses chaussures de ville en les mettant aux écuries. En 2022, il faut arrêter de se prendre le mur dans la tête quand ton cheval tourne à gauche au lieu d'aller à droite après ta ligne d'obstacle. En 2022, il faut arrêter de ne pas mettre de casque à cheval, même si c'est pour des photos Instagram. En 2022, il faut arrêter de voler le cure-pied des gens. En 2022, il faut aussi arrêter les cours de saut particuliers parce que quand vous êtes tout seul en cours de saut, vous devez ranger tout seul, tout le parcours, et ça, c'est très relou. En 2022, il faut arrêter de casser son pinceau à graisse en le laissant coincé dans son capuchon. En 2022, il faut arrêter de mettre des licoles Kentucky en moumoute quand vous emmenez vos chevaux au paddock et qu'ils se roulent après dans la boue ou dans le sable, c'est immonde et c'est horrible à laver. En 2022, il faut arrêter d'oublier de curer les pieds de son cheval avant de le sortir de son box, après on doit balayer toute l'écurie, c'est hyper long. En 2022, il faut arrêter d'oublier ses clés de cadenas dans son casier une fois qu'il est fermé. En 2022, il faut arrêter d'oublier ses gants aux écuries en hiver, pire chose au monde. En 2022, il faut arrêter de se faire trimballer par nos chevaux quand on les fait brouter. En 2022, il faut penser à prendre sa crème solaire l'été aux écuries et ne pas monter en débardeur avec 36 bretelles différentes. Vous avez un bronzage horrible à la fin de l'été et on le sait tous, mais on le fait tous quand même, faut vraiment arrêter ça. En 2022, il faut arrêter d'oublier la priorité dans le manège, c'est priorité piste à main gauche. On arrête de garder la piste pour soi alors que c'est à celui d'en face de la prendre, d'accord? S'il vous plaît, on arrête ça, surtout sur les tentes de concours. En 2022, il faut arrêter de renverser ses pots de graisse à pied et ses pots d'huile liquide pour les sabots dans sa boîte de pansage. Pire chose au monde. En 2022, on arrête de faire des queues de poisson sur les détentes de concours aux gens, c'est pas la fête au village, on garde ses distances, on garde ses priorités, on ne fait pas de queue de poisson aux gens. En 2022, il faut arrêter de croire que les comptes Instapony, c'est la vraie vie. En 2022, il faut arrêter de perdre son bonnet à mouche dans le pré, surtout quand il est couleur genre marron, et de le chercher pendant des heures. En 2022, il faut aussi arrêter de tomber le jour où t'achètes ton nouveau pantalon. En 2022, il faut arrêter d'être le premier partant de l'épreuve de saut d'obstacle le dimanche matin quand elle commence à 8h et que l'arco est à 7h. En 2022, il faut que les chevaux arrêtent de déférer en carrière, après on passe 3 heures à chercher le fer au milieu de la carrière, c'est très très long. En 2022, il faut que nos chevaux arrêtent d'avoir peur des fantômes de la carrière parce que ça fait beaucoup trop longtemps que c'est là. En 2022, il faut arrêter de tacher ses manteaux tout neufs et ses pantalons avec de la graisse à sabots quand on graisse les pieds. En 2022, il faut arrêter de laisser son cheval faire son crottin au bout de la carrière parce que quand il faut ramasser et que c'est au bout du bout, alors qu'il pourrait le faire près de la pelle à crottin à l'entrée de la carrière, il faut arrêter. En 2022, il faut arrêter les dramas sur TikTok. En 2022, il faut arrêter de faire tomber son téléphone pendant sa séance. Et pour ce faire, il faut acheter des leggings avec des poches sur les jambes. En 2022, il faut arrêter de nous dire que l'équitation n'est pas un sport. On a compris, c'est bon, on passe au-dessus maintenant. En 2022, il faut arrêter d'oublier d'amener son gâteau après une chute aux écuries. En 2022, il faut arrêter d'oublier ses affaires de concours le jour du concours. Il faut les préparer à l'avance, on n'oublie pas sa sangle ou son bridon le jour J. On prend des affaires de rechange, on est précautionneux. En 2022, il faut arrêter de faire des 4 points sur le dernier obstacle. En 2022, il faut aussi arrêter de faire tomber son stick et sa cravache pendant sa séance parce que pour les ramasser quand il y a personne, horrible. En 2022, écoute bien ça. En 2022, il faut que nos chevaux arrêtent de se rouler 30 secondes avant qu'on arrive, quand on arrive en retard pour notre cours de mise en selle et qu'il faut les préparer en 5 minutes et qu'ils sont jaunes ou pleins de poussière. Ça, il faut arrêter. En 2022, il faut arrêter de faire des refus sur les numéros 1. En 2022, il faut que tu arrêtes de mettre des leggings couleur chair quand t'es à cheval parce qu'on dirait que t'es à poil, désolé, mais c'est la vérité. En 2022, il faut arrêter de critiquer les gens qui montent à cheval quand vous êtes en bord de carrière. En 2022, il faut arrêter d'avoir des copeaux et de la paille partout dans ses chaussures. Et surtout, en 2022, le plus important, faites-vous plaisir à cheval, profitez bien, profitez au maximum et suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager si c'est le cas. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allez me suivre sur Instagram et TikTok pour suivre mes aventures au quotidien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!